Bref, cette semaine, Michel a terminé son chantier de rénovation. Ce week-end, il doit partir au ski avec ses potes. Alice dort encore, comment lui annoncer? Déjà hier soir, elle n'était pas de bonne humeur. Il grille, il presse, il réchauffe, il sucre, il se brûle. Il beurre, il tartine. Il décore. Il la réveille en douceur. Il la flatte, l'embrasse, il la chatouille. Pour la centième fois, il essaye de lui dire « je t'aime ». Chérie, je t'aime. Préparer un super petit déjeuner. À quoi tu penses, mon cœur? À rien, en fait. Ne me dis pas que t'as prévu quelque chose avec Franck et Momo. Tu veux une tartine? Non, ça va, merci. J'ai plus faim. Mais par contre, je veux bien notre café. Avec plaisir. Il débarrasse. Il nettoie, il repense au chantier sur lequel il a collé beaucoup plus vite que prévu. 200 mètres de carreaux de plâtre. Simplement sans stress, seul, tranquille. Si tout pouvait être aussi parfait qu'avec Gecko de Genius, c'est tellement pratique et sans problème. Génial quoi! Avec Gecko, il est vraiment devenu un génie de la rénovation. Trop facile. Rien ne lui résiste. Il saupoudre, il cache, il mélange, il malaxe, il rénove, il bouche, il rebouche, il colle, il décrocie, il enduit, il recouvre. Trop facile. Il ne gâche pas sa journée. Ni son week-end d'ailleurs. Oui, allô? Ah, Franck! Ben non, il est toujours là. Michel, c'est Franck. Il t'attend, il est au ski. Elle lui dit. Tu veux lui parler? Il lui dit. Ou je raccroche? C'est toujours pareil avec moi. Tu me prends vraiment pour une conne, non? Mais non. C'est toi, gamin. T'es bon pour les oublier, t'es bon. Mais moi, je t'aime. T'as pas tué, non? C'est des juniors, tu me disais aussi. T'es un pauvre mec. Michel médite. Il pense. Il cogite. Soudain, il a une idée de génie. Pendant qu'Alice le réprimande, il imagine qu'il pourra rajouter un peu de Gecko à la place du sucre dans son café. Il lui dirait « Tiens mon cœur, je t'ai préparé un bon petit café avec deux sucres comme tu l'as. » Alice lui répondrait Alice n'arriverait plus à parler, ses dents seraient collées par la colle qu'il aurait mis dans le café. Michel prendrait le téléphone et appellerait Franck. Ouais mon Francky, ouais j'arrive, j'ai fini mon chantier, trop facile. Bref, Michel est un génie.